Bonjour YouTube. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuation de notre série de vidéos qu'on a commencé à faire sur le montage des caméras de sécurité, il me restait une dernière caméra à monter, celle de l'extérieur. Et à un moment, je me suis retrouvé sans pied de fixation. Je n'avais pas pensé à acheter. Pour les autres caméras, je m'étais fait faire des pieds que j'ai fixés aux différents paddles que j'ai mis pour l'éclairage de l'extérieur, mais pour le cas ici, je vais m'imprimer un pied de fixation avec du PLA. Donc, j'ai commandé une imprimante de marque Thierry que je voulais déballer. C'est vrai que j'avais déjà ouverte avec des besoins de contrôle au niveau de la douane, mais là je vais encore rouvrir cette fois-ci pour faire le premier testage. Merci. Bon, c'est parti. Je vais déballer. Il y avait une protection supérieure ici que j'avais enlevé pendant le contrôle avec la douane. Donc là, on a le matériel à l'intérieur, comment ça se présente. Une trousse à outils. On a des accessoires de rechange, le plus important la clé, des roulements, des vis, un câble USB, des clés, ça c'est très bien, les accessoires pour supporter les bobines et puis le manuel qu'on ne lit pas très souvent, c'est Artillery X Sidewinder X2, c'est parmi les entrées milieu de gamme de l'imprimante 3D. Voilà l'imprimante. Théoriquement facile à monter, on va voir si c'est aussi facile qu'il paraît. C'est le haut. Oui, c'est le haut. Je vais poser de ce côté le câble d'alimentation à côté. Malheureusement, c'est de l'américain. J'ai commandé ça sur Amazon.com. Ça m'étonne pas d'avoir ce câble à l'intérieur. Bien protégé. Oh. Et voilà le plateau. Donc, apparemment, il y a des connecteurs en bas ici. Oui. Ah oui, j'enlève. Il y a des trompeurs. Je vais m'assurer de bien clipser le tout. Thank you.
parti. Là, je connecte les différents moteurs à leur prise d'aliment. Attention. Je manque un peu de lumière. Il reste à serrer. Il y a encore quelques câbles qui restent pendants. Mais en gros, il me reste à visser le tout. Et dans quelques secondes, on aura tout correctement monté. Donc, après avoir monté la partie du haut, tout est déjà disponible pour pouvoir serrer facilement. Donc, il faut juste incliner un peu. Regarde, là, c'est que j'ai acheté. Ça, c'est bon. Ça, j'ai acheté.
C'est bon. Là, nous allons placer nos bobines. Ne monte pas.